messieurs. Bonjour. Merci, bonjour. Vous avez fait part lors de notre dernière entrevue du codicille suspensionné par votre maman. Non. Non, pourquoi? Il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant ce codicille, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman, dont je salue le geste, nous a quittés il y a 2 ans. Et 2 jours. En revanche, en ce qui concerne la deuxième acquisition, pas de problème, elle est bien à vous. Il s'agit d'un joli support discographique enregistré par votre maman, sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession, c'est toujours ça de gagné. J'ajouterai que, concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agence généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. L'arrondissement, 13 000, on va pas chipoter, voilà, vous signez là. Excusez-moi, est-ce que j'ai pas compris, les 13 000, c'est tout ce qu'on touche? Non, ça, ce sont les émoluments compensatoires. Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où? Les sans-patates? Oui, sans-patates. L'héritage. Je vous ai dit, suivant le codicille suspensionné par votre maman... Excusez-moi, vous pouvez vous expliquer clairement, parce que je comprends pas. Ah non, je comprends pas non plus le codicille. Eh bien, il y a 2 jours, oui. L'héritage oui. était encore à vous. Oui. Et aujourd'hui, oui. il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisé... C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste deux secondes, parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruit. L'usufruit. Enfin, oui, oui. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle ne comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisé... Non, ça va pas. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est m'échapper parce que je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement. Clairement. Oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. Ah non, c'est pas possible. Et comment je fais avec ma bagnole? Avec Lulu, je fais comment, moi? C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, là, vous auriez lu le papier, là, le papier de merde. C'est un papier de merde. Et on avait le pognon, et aujourd'hui, c'est fini? On l'a pas. Étant donné qu'on ne peut subroger au dépositaire circonstanciel. Non, j'ai dit clairement. Clairement, c'est fini, héritage, il n'y a plus. Ah non, non. Ah plus, c'est possible. Oh non, parce que les 13 000, on a droit. 13 000, quand même. 13 000. Non, mais j'ai rien dit là. T'as rien dit. Tiens, voilà pour que t'as rien dit. Mais là, elle comprend pas quand même. Elle comprend pas. Mais 13 000. Tu vas les appeler, les Américains. Non, c'est pas possible. Si tu vas appeler les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non, non. Oh, que tu étais trompé. Non, non, mais c'est trop tard de faire. Et pourquoi c'est trop tard? Parce que aux States, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il existe un article qui stipule, qui raconte. Ouais. Qui raconte quoi? Un article, non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, je suis débordé. J'aime pas. C'est foutu, je veux dire. Il y a des lois, merde. Je peux la faire, il n'y a pas. J'aime pas. C'est pas vrai. Dire que ça fait mes 68, ça. Ça fait mes 68, hein. C'est pas vrai. Je rêve. Non, c'est pas moi, c'est... Merci, maître, pour toutes ces précisions. Sympa. Salope. La salope. Comment je vais expliquer ça à Lulu, moi? Bah oui, c'était une chanteuse. Hein. C'était une salope. Tout dans un orphelinat. Et moi, je suis pas un orphelin, peut-être? Minable, ouais, minable. Eh oui, carrière est ratée. Bon, bah, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est épouser un milliardaire. Elle a réussi surtout à nous foutre dans la merde, oui. J'imaginais pas sa tête comme ça, moi. Je suis sûr qu'elle a fait exprès, hein. Tu l'as fait exprès, hein, salope! C'est bon, c'est pas la peine de t'énerver, là. Mais pourquoi tu vois une meilleure raison pour t'énerver, toi? Non, mais les mecs, faut être positif. Ah bon? Bah oui, on est 3 frangins, on a une famille, ça vaut toutes les thunes du monde. Oh, bah faut pas m'en vouloir, mais je préfère les thunes. Putain, ça. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu veux que je partage en 3? Ça va être vite fait, moi. Putain, je vais les partager en 3. Mais calme-toi, mon vieux, ça va, C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas de ma faute, vous êtes foutu dans la merde. Moi, je suis gardé la tête froide, ça va, Oh, oui, mais sur toi, t'es différent. Ça, y a qu'à te regarder, y a pas de problème. Pourquoi je suis différent, c'est-à-dire quoi? T'as très bien compris ce que je voulais dire. Vas-y, répète là. J'ai mal entendu. T'as très bien compris ce que tu étais différent. Oui, non. Attendez, on va pas s'engueuler, les gars. Écoute, moi, personnellement, Pascal, je te jure, ça m'a jamais dérangé que tu sois black. Moi, j'ai des potes, ils sont plus black que toi. Attends, c'est bon, moi, je me drive tout seul, la vie continue, j'ai pas de problème. Bah, continue là, ta vie, continue là, continue. Oui, je vais continuer. Ça fait 30 ans que je me drive tout seul, j'ai jamais eu besoin de. Eh ben, drive-toi, parce que moi, je t'ai attendu. J'ai besoin d'un gugus à queue de cheval comme toi, tiens. Allez, va driver. Salut, ciao. Adieu. Moi, rien. Non, rien. Si, champagne. Quoi? Champagne. Champagne.